We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Bienvenue, nous attendons encore quelques participants. Dans quelques minutes, nous commencerons cette session concernant la reconstruction de l'économie mondiale. Pour voir où nous en sommes. Nous sommes aujourd'hui géographiquement à Katowice. Certains d'entre nous sont ici sur place, d'autres seront en ligne. Nous parlerons des conséquences de la pandémie de COVID-19 qui a souligné l'importance d'actions communes de manière à redynamiser une économie assoupie et de développer des leviers de croissance dans les pays en développement, mais aussi dans les pays développés. La croissance économique a été inégale, elle était déjà avant la pandémie. C'est le cas aussi des progrès pour ce qui est des objectifs de développement durable de l'ONU. Vous avez maintenant l'opportunité d'utiliser les possibilités de reconstruction économique comme chance de développement dans le sens d'un développement plus durable, plus inclusif. L'économie numérique peut jouer un rôle crucial en créant des opportunités de développement humain et de développement économique. C'est très important. Il est important que nous investissions dans les technologies ICT, de faire en sorte qu'elles soient accessibles à toutes les couches sociales. C'est une des leçons que nous pouvons tirer de cette phase de reconstruction de l'économie mondiale après une période de pandémie. Commençons donc notre discussion. Je vais vous présenter les intervenants. Certains nous rejoindront dans quelques minutes. Nous avons donc ici le ministre de la numérisation de la République de Slovénie. Oui, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être ici, Monsieur Bosjan Koritnik. Je dois vous demander pardon car je devrais malheureusement partir un peu plus tôt que prévu. Merci donc de continuer. Je ne prendrai pas plus de temps. Eh bien, dans ce cas, peut-être pourriez-vous commenter au moins le titre, la question qui nous sert de titre, la question éponyme. Mais écoutez, pour ce qui est des leçons que nous avons tirées de cette pandémie de COVID-19, ce que je voudrais dire, c'est que cette pandémie de COVID-19, elle a radicalement changé la manière dont on voit, dont on regarde la numérisation. Elle a accéléré, je pense, la numérisation, la technique numérique. Ces techniques numériques sont absolument nécessaires pour que nous puissions continuer à travailler, à étudier, pour que nous puissions continuer à faire nos courses, à rester en contact avec nos proches. Le numérique, c'est un peu tout en ce moment. Ça a été exacerbé par la pandémie de COVID-19 qui a montré aussi que nous pouvions mieux prendre de meilleures décisions en analysant les données. Une analyse profonde des données, c'est quelque chose de précieux pour le développement des PME aussi. C'est pourquoi il faut appuyer la mise en application des mégadonnées, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets. Cette numérisation accélérée apporte de nombreux avantages, tout en montrant certaines faiblesses par rapport à la numérisation, en soulignant aussi ce qu'est l'exclusion numérique dans certaines zones du monde, ou la non-inclusion numérique en tout cas. Donc il faut souligner une chose, c'est que l'ICT doit être une technique fiable, doit placer l'être humain au cœur de ses préoccupations et faire en sorte
pour que la numérisation soit un succès, ça demande des investissements dans de nouvelles compétences humaines, ceux qui seront les utilisateurs des nouvelles techniques. Merci beaucoup. Je pense que certains de nos intervenants se trouvant ici sur place à Katowice, dont par exemple le ministre de la Communication et de la Technologie, Mohamed Al-Khatik, il est avec nous, de la République arabe de Syrie. Oui, Monsieur Iyad Mohamed Al-Khatib, je suis très heureux de pouvoir participer à cette réunion. Comme vous le savez, la pandémie a frappé le monde entier. Nous parlons maintenant de cinquième vague. Nous parlons d'un nouveau variant, le variant Omicron. Et ce que nous avons appris lors de la pandémie, eh bien, c'est qu'après 2019, toutes les villes du monde ont été mises en quarantaine, ce qui a impliqué de grands défis, des défis importants se posant aux gouvernements de divers États qui ont réfléchi à la meilleure manière d'adapter leurs infrastructures, d'offrir les meilleures infrastructures possibles aux citoyens. Internet a permis de garder un accès à de nombreux services. Internet est accessible 24 heures sur 24, et 7 jours par semaine. C'est devenu notre maison, Internet. Et on peut dire que la circulation sur les routes, dans les rues, a été remplacée dans une certaine mesure par la circulation des données sur Internet. Et ce qui est l'immense défi auquel nous faisons face maintenant, c'est qu'il va falloir investir dans d'immenses infrastructures, de très importantes infrastructures Internet, dans des réseaux, de manière à être en mesure de faire face à cette augmentation de la circulation sur Internet. Les flux sont tellement importants qu'il nous faut adapter les infrastructures, adapter les réseaux. Et ça demande d'immenses investissements. C'est pourquoi nous devons développer les services en ligne. Les services en ligne permettent, je vais dire ça autrement, le développement des services Internet est tellement rapide par rapport aux services traditionnels qu'il nous faut investir des sommes immenses. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il me semble que Janusz Cieszyński, secrétaire d'État aux affaires numériques et représentant porte-parole de la Pologne en cybersécurité, va vouloir prendre la parole. Oui, bonjour. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous à Katowice. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont ici sur place, mais aussi à ceux qui sont avec nous en ligne, car ils sont avec nous aussi. Grâce à la technique, d'ailleurs, grâce à cette technique qui change le visage du monde, et notamment celui des conférences. Ces derniers mois, nous avons été témoins de nombreux changements, d'évolutions substantielles. Je voudrais vous rappeler ici que, à cause de la pandémie, le dernier sommet IGF a été annulé, alors que là, aujourd'hui, vous voyez que c'est une conférence qui a lieu partiellement en ligne, mais qui a lieu. La technique nous montre donc à quelle vitesse le monde évolue. Et lorsqu'il est question de politique, souvent l'horizon, quand on parle politique, souvent un changement, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, parfois c'est dans 30 ans, ou bien dans quelques années, à la limite. Mais là, on voit que le monde peut changer très rapidement. On peut sculpter le monde, modifier le monde très rapidement. Ça s'est fait sur quelques semaines, quelques mois peut-être. Et pourquoi c'est possible? Et pourquoi est-ce que je considère qu'il est important que ces changements fassent partie du programme des Nations Unies? Eh bien parce que la technique est quelque chose qui touche l'économie très largement. Et donc à peu près tous les aspects de la vie.
Et bien entendu, on a besoin de plus d'investissements. Mais une fois que ces investissements auront été faits, nous pourrons nous appuyer sur la technique. Et par la suite, les solutions qui auront été créées pourront être diffusées de par le monde, de manière à ce que des milliards y aient accès, des milliards d'individus. Donc on voit à quel point la technique va accélérer le changement de manière radicale, de manière spectaculaire. Je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la technique fait évoluer le monde. Les futurologues, à une époque, l'avaient dit. Nous sommes aujourd'hui témoins de ces changements. Je pense que cette réunion qui a lieu à Katowice aujourd'hui, en ce lieu important pour l'histoire de Pologne, je suis content que cette conférence ait une portée mondiale. Les participants de cette conférence peuvent y participer à l'ancienne, ils peuvent venir et ils peuvent aussi y participer en restant chez eux. C'est quelque chose de positif et je vous souhaite débat fructueux. Merci. Moi, j'espère que j'aurais aimé pouvoir venir à Katowice. Malheureusement, le gouvernement britannique a fait que je n'ai pas pu. Avant que nous ne prenions contact avec d'autres participants, je voudrais maintenant vous passer un message de Madame Armida Salcia Alice Rabana, secrétaire exécutive de l'UNESCO. Non, je ne pense que ce ne sera pas... Ah si, ça y est. J'aimerais parler au nom de l'UNESCO. Je suis heureuse de pouvoir participer à ce sommet numérique mondial qui se tient en 2021. J'essaierai de vous présenter la perspective des pays de l'Asie et du Pacifique. Jusqu'à 2030, la région va changer radicalement. Et les changements numériques feront partie de ces grands changements. Et les technologies qui se créent changent maintenant déjà l'organisation et le visage de notre région. Ça a une influence sur tous les domaines de notre économie. L'emploi de nouvelles technologies nous permet d'assurer une connectivité à tous les habitants de la région de manière à pouvoir... créer des sociétés inclusives. Nous avons des problèmes comme l'Omicron, la nouvelle variante du coronavirus, ce qui veut dire que la pandémie ne se terminera pas bientôt. Donc il va falloir faire avec. Souvenons-nous que pendant très longtemps, une grande partie de notre activité se passera en ligne. Souvenons-nous que notre région est la région qui est la plus divisée en ce qui concerne la numérisation. Nous avons des centres qui se développent de façon très énergique, qui utilisent les technologies numériques, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont numériquement exclues. En vérité, la moitié de 4,1 milliards de personnes qui habitent dans la région n'ont pas accès à Internet. Donc c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Souvenons-nous que nous devons aller dans la direction de changer l'économie de notre région, ce qui implique l'utilisation des technologies numériques. Ce qui veut dire, à son tour, chercher de nouvelles modalités d'accès au réseau, etc., etc. La vitesse n'est pas à la hauteur de nos attentes, donc nous devons souvenir qu'il faut être de plus en plus efficace. De nouvelles possibilités apparaissent sur tous les fronts. J'en mentionnerai que trois. Premièrement, l'offre, souvenons-nous, dans la région, nous avons des possibilités de mener des investissements encore plus larges dans les technologies numériques. Nous avons des preuves qui disent que le temps de la pandémie en 2020, pendant cette période, les technologies numériques dans des pays tels que la Chine, le Japon, ou la Corée ou le Singapour ont permis d'assurer le...
l'accès aux informations en temps réel aux sociétés. En ce qui concerne la demande, cette fois-ci, l'investissement dans les technologies numériques apporteront des bénéfices sensibles à tous les habitants. Quand ça concerne par exemple la formation continue, l'inclusion des enfants dans les processus d'éducation et toutes sortes de services aux personnes handicapées. Ce qui fait que nous créons une société plus inclusive du point de vue numérique. Ce qui nécessite évidemment de nouvelles réglementations qui sont mises en place par des organes prévus pour. Nous essayons de faire de manière à ce que les technologies soient mises en place de plus en plus vite et d'assurer la coopération entre le secteur privé et public. Ce n'est qu'en coopérant que nous pouvons assurer que notre société aura accès aux technologies numériques de manière inclusive et que nous pourrons assurer un développement durable du secteur. Donc nous essayons de créer des plans d'action à long terme qui concernent justement le développement de l'accès aux technologies numériques. C'est un plan d'action qui repose sur 3 piliers et 25 actions différentes qui concernent la connectivité accessible à tout le monde, l'utilisation des technologies numériques et le comblement du vide numérique, de manière à assurer l'accès aux technologies numériques à tout le monde. Nous espérons pouvoir coopérer avec tous nos partenaires au sein de l'UN et à d'autres partenaires qui vont accélérer la transformation numérique pour créer une société plus inclusive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous revenons donc à Katowice maintenant. Yuji Min, qui est secrétaire des questions économiques et sociales. Merci, Jonathan, de modérer cette discussion si intéressante qui concerne la reconstruction économique dans le monde entier. J'aimerais remercier tous les participants de notre rencontre. J'aimerais aussi souligner que c'est pour la première fois que je participe à l'IGF. Donc, bienvenue à tous les participants de l'IGF à Katowice. C'est la 16e édition de ce sommet numérique qui se déroule en formule hybride cette fois-ci. Donc, nous avons des participants qui nous rejoignent via Internet, ainsi que des personnes qui participent à l'événement ici sur place à Katowice. Nous avons affaire à la pandémie, à une pandémie qui touche pratiquement tous les gens dans le monde entier. Et nous, ça fait 2 ans que nous battons contre ce problème, avec ce problème. En 2020, l'année passée, le sommet a été mené virtuellement à 100%, exclusivement sur Internet. Mais ça a été rendu possible grâce aux technologies. Cette année, c'est une formule hybride, dont nous voyons des premières lueurs d'espoir pour ce qui est du retour au normal. Nous pouvons du moins en partie nous rencontrer ici sur place. En ce qui concerne l'institution que je présente, l'organisme pour les questions économiques sociales de l'ONU, nous menons des analyses diverses. L'une des dernières analyses nous montre que la croissance économique va être de l'ordre de 5,6% en 2021, 3,6%, c'est la réduction du PIB en 2020. Donc je pense que nous reprenons la grande droite, mais je pense que la vitesse n'est pas encore satisfaisante. On voit dans de nombreux pays des signes de croissance, mais cette croissance et le retour à la normale ne se passent pas de manière égale dans tous les pays. Nos analyses montrent que environ la moitié des membres de l'ONU sont des pays ou des États où, malheureusement, le niveau de croissance économique n'atteindra pas encore le niveau que nous avions avant la pandémie. Donc ces États ne reviendront pas au développement économique d'avant 2020. Donc nous devons tous agir de manière encore plus efficace
pour en arriver au renouveau économique. C'est la situation à laquelle nous devons faire face cette année. Mais souvenons-nous que nous ne pouvons pas... que nous devons rester plein d'espoir. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Quelles sont les conclusions que nous devons tirer de ce qui se passe en 2021? Nous voyons que nous avons à faire beaucoup de choses. Le premier élément, c'est les vaccins. La vaccination, nous voyons que dans les pays où la vaccination se passe de manière efficace, ceci se retraduit en signe de recouvrement économique bien visible. Donc nous voyons que les programmes de vaccination aident les gens à revenir à la normale, au travail et au modèle normal de consommation aussi. Un autre élément, les investissements. Au cours de l'année passée, ou même plus tôt, dans les pays où on menait des investissements qui protégeaient les habitants contre les effets de la pandémie, la reconstruction se fait plus vite et de manière plus efficace. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les pays. Dans certains pays, les possibilités d'investissement sont relativement limitées, ce qui se retraduit en une reconstruction plus lente. Ceci concerne en particulier les pays qui sont les pays de niveau moyen de revenus et dans les pays en voie de développement. Donc les investissements sont un élément très important. Mais il y a encore un élément qu'il faut mentionner. Je veux dire le niveau de l'accès aux technologies numériques. On le voit très clairement aussi, on l'a vu dans les deux dernières années. C'est les technologies numériques qui nous ont permis à nous tous, les habitants du monde, d'être en contact avec les autres. Grâce à cette technologie, nous sommes restés en contact et cette technologie accélère aussi le processus de reconstruction. Mais souvenons-nous aussi, c'est aussi une question qui n'est pas assurée à tous de manière égale dans le monde entier. Souvenons-nous que la moitié des habitants du monde n'ont pas accès à Internet, ce qui veut dire que ce sont des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de processus comme les achats sur Internet ou l'apprentissage, l'enseignement sur Internet ou même les services médicaux électroniques ou autres services numériques. Donc ce sont aussi des pays qui peuvent avoir des problèmes en ce qui concerne la vitesse de la reconstruction de leurs économies. Donc les économies numériques se traduisent directement sur la vitesse de la reconstruction. Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de cette situation en ce qui concerne la pandémie et ce que j'ai dit? Avant tout, nous devons encourager tous les pays à prendre des efforts pour la mise en œuvre de la vaccination. Ceci avant tout. Et nous avons ici une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui est censée assurer que 70% des habitants du monde entier soient vaccinés d'ici la moitié de 2022. C'est un objectif que nous devons atteindre. Ce n'est que si nous réussissons à le faire, nous pourrons rêver d'un monde d'après la pandémie, d'un monde qui reviendra à la normale. Si nous n'arrivons pas à atteindre cet objectif, la croissance économique et la reconstruction seront rendues très difficiles. Souvenons-nous que tous les pays ont souffert de la pandémie. L'économie des branches telles que le tourisme, par exemple, ont beaucoup souffert. Nous avons des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, encore une fois, vaccination, vaccination, vaccination. D'ici 2022, nous devons vacciner la majorité de la population du monde. Une autre question, les investissements que j'ai mentionnés. Les investissements sont inévitables. Mais il ne s'agit pas seulement d'investissements infrastructurels. Il s'agit aussi d'investissements qui nous permettent de maintenir en vie les petites entreprises. C'est ces entreprises qui sont très souvent les organisations, ces acteurs qui créent le plus d'emplois. Donc la question de l'emploi, de nouvelles possibilités d'emploi, c'est quelque chose qui doit être souligné. Pour renforcer le niveau
de l'emploi dans le monde entier. Nous devons veiller aux investissements qui vont nous permettre d'éviter des crises sociales dans l'année suivante de la pandémie. Il faut aussi renforcer des investissements. Ils doivent être ciblés à aider en particulier les pays qui ont le plus souffert à cause de la crise. Je passe de la crise en particulier qui a entraîné l'endettement. De nombreux pays, malheureusement, ont des problèmes de paiement. Donc, au bord de la faille, dans les mois qui vont venir, nous réussirons à aider ces pays. C'est d'ailleurs pourquoi que l'on réalise un nouveau programme, on met en œuvre un nouveau programme dans le cadre de l'IGF, et c'est un nouveau programme qui se concentre sur ces pays qui exigent des investissements concrets. Dans la crise de l'endettement, est une chose très importante dans de nombreux pays. Évidemment, dans le passé, nous avons fait face à des crises économiques, mais nous devons, dans le futur, éviter une nouvelle crise financière. Question suivante. En ce qui concerne le sommet numérique des Nations Unies, nous devons l'utiliser comme un forum, comme une plateforme qui permettra d'élaborer des solutions concernant l'assurance d'une inclusion numérique plus forte. Donc nous voulons remédier à ce gouffre numérique que nous observons dans le monde. Nous voulons améliorer l'accès aux technologies numériques. Nous voulons donc utiliser le 16e IGF à Katowice pour lancer un appel au monde entier au sujet de trois pays. Trois questions. Premièrement, soutenez les programmes de vaccination. Vaccinez-vous vous-même, vaccinez vos familles et grâce à cela, aidez vous-même et aux autres, et votre pays et le monde entier. Ce n'est donc que lorsque nous aurons acquis un niveau de vaccination suffisamment que nous pourrons rêver de revenir à la normale d'avant la pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un message très important, effectivement. Une voix maintenant s'élève du côté de la directrice de l'Union internationale, Dorine Bogdan-Martin, des télécommunications. Je voudrais remercier d'abord nos hôtes, à savoir le gouvernement polonais. C'est une discussion extrêmement importante, puisque la question est de savoir où nous en sommes. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Je voudrais me concentrer principalement sur deux choses. Et la première, je pense que d'ailleurs ça fait écho à ce qu'il a dit précédemment par rapport au rôle vital de la connectivité numérique et bien sûr les grandes disparités pour ce qui est de l'utilisation et de l'accès à l'outil numérique. La semaine dernière, l'ITU a lancé de nouveaux chiffres en matière de connectivité. Nous avons vu que le Covid en fait avait contribué à une accélération que nous n'avions jamais vu auparavant pour ce qui est de la connectivité mondiale. Le nombre d'utilisateurs d'Internet a cru de 17% ces deux dernières années. Bien sûr, c'est la plus grosse augmentation que nous ayons vue en une décennie, mais bien entendu, ça veut dire qu'il y a aussi, le revers de la médaille, comme il a été dit par le secrétaire adjoint. Il y a 2,9 milliards de gens, soit 37% de la population, qui n'ont jamais été connectés à Internet. Ce qui signifie bien sûr que pendant la pandémie, ces gens-là n'ont pas eu accès à l'éducation, à l'emploi, à l'information et bien sûr à d'autres services. De plus, les 4,9 milliards que nous comptons maintenant comme connectés ont souvent des problèmes de connexion. Leur connectivité n'est pas parfaite. Ça veut parfois dire que Internet est trop cher pour eux.
qu'il y a trop de coupures, que c'est trop lent, que la connectivité laisse à désirer. Bien sûr, beaucoup de ces gens que nous comptons comme non connectés, en fait, pour eux, c'est souvent pour eux que la connectivité est la plus importante. Ceci m'amène à la seconde chose, à savoir que les partenariats vont changer de manière spectaculaire l'image de la connectivité. Le Covid a montré que ce que nous pouvons faire maintenant en travaillant ensemble. Bien sûr, les vaccins sont un exemple particulièrement parlant, comme il a été dit par mon prédécesseur. Et l'ITU a fait de son mieux pour y travailler dès la fin du confinement. C'est une plateforme qui permet au gouvernement, aux acteurs publics de partager leurs expériences. Je pense que ce qui m'a impressionné le plus, c'est de voir le niveau de complicité, le niveau de solidarité, le niveau de solidarité entre les acteurs publics et privés pour faire en sorte de faire face à une demande en connectivité, en rapidité de connexion, en données qui était inconnue jusque-là. Nous avons vu que c'était un défi pour beaucoup de pays. Nous regardons maintenant vers l'avenir. Nous devons faire en sorte de combler les retards pour ce qui est d'inégalité en matière d'accès aux infrastructures Internet. Et bien sûr, il va falloir construire de la résilience. Et comme pour le défi lié au Covid, la connectivité mondiale est simplement quelque chose de trop important, trop difficile pour qu'une entité à elle seule y fasse. Je voudrais donc vous encourager à nous rejoindre dès cet après-midi. Il y a une session organisée par notre partenaire pour rejoindre une coalition numérique mondiale. C'est une coalition qui vise à connecter le monde entier. Nous voyons cela comme quelque chose qui devrait véritablement changer la donne. Merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais passer à donner la parole à Madame Simonetta Di Pippo, directrice du Bureau des Nations Unies pour les affaires de l'espace cosmique. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Nous rencontrons en une époque assez importante parce que d'un côté, nous faisons tous face à des défis qui sont liés à la pandémie de COVID-19. Et pour ce qui est de notre bureau, le Bureau des Nations Unies aux affaires cosmiques, je dois dire que nous faisons de notre mieux pour que les avantages liés à la conquête spatiale soient des avantages pour tout le monde, que ça profite à tout le monde, que ce soit profitable. Nous voulons améliorer la connectivité mondiale et comme il a déjà été dit par certains intervenants aujourd'hui même, parfois on a besoin d'une crise pour pouvoir être en mesure ensuite ensemble de se serrer les coudes et de faire des efforts ensemble. Et pour ce qui est des aspects technologiques, il y a encore face à nous des défis majeurs liés notamment à l'accès des populations de par le monde à Internet. Je dois dire que la pandémie de COVID-19 nous a mobilisés, nous a fait aller de l'avant pour ce qui est justement de la connectivité. Elle nous a forcés à faire des progrès rapides. Le secrétaire général, d'ailleurs, a joué un rôle de premier plan pour ce qui est de renforcer la coopération au niveau numérique. Et cette coopération, le rapport notamment du secrétaire général sur la coopération numérique comprend aussi des recommandations très concrètes par rapport à la connectivité mondiale. Le secrétaire général a par ailleurs souligné toute l'importance de notre programme commun. Pour ce qui est maintenant des activités, des activités menées par notre bureau, eh bien, je veux dire que l'espace nous pousse à utiliser les données de manière exhaustive et de manière poussée. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'espace est un facteur, c'est un moteur. C'est quelque chose, c'est un facteur qui va accélérer la poursuite des ODD. Et ça a été souligné déjà.
ce qui a été souligné plus tôt, c'est que le partenariat, la solidarité, était quelque chose d'absolument crucial pour ce qui est des ODD. Et je dois dire que les ODD, l'ODD numéro 17 en particulier, est une priorité en ce qui nous concerne. Merci beaucoup. Pour aller plus en profondeur, Teki Akweter Falconer est avec nous ici à Katowice. Et nous voudrions lui donner la parole. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous demander une chose, à savoir si la pandémie a rendu plus difficile la poursuite des ODD. C'est une question qui est posée à Teki Akweter Falconer. Oui, merci beaucoup. Eh bien, oui, je pense que ce qu'elle a fait, cette pandémie, c'est qu'elle a souligné une chose. Enfin, elle a souligné que le monde était plus connecté que nous ne le pensions. Et elle a souligné l'importance de la technique, ainsi que une chose, c'est que l'exclusion ou la non-inclusion numérique concernait principalement l'Afrique. Les politiques qui ont été mises en application dans mon pays n'ont pas empêché, n'ont pas fait reculer la pauvreté. Et je vois d'ailleurs que, hélas, la pauvreté a augmenté. Il y a de plus en plus de gens qui ont faim, malgré la distribution de ressources. La situation ne s'est pas améliorée. La pandémie de Covid-19 nous a aussi frappés du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation. J'habite une ville. J'ai aidé là-bas un jeune garçon qui, lors de la pandémie de Covid-19, a dû arrêter l'école. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus, plus accès à des... il n'y avait plus d'école en présentiel. C'était l'école en ligne. Il n'avait pas l'accès. Donc, tout simplement, pour lui, pas d'école en présentiel, ça voulait dire pas d'école. Et ça, ça montre le gouffre, ce qu'est le gouffre numérique entre les pays riches et les pays pauvres, et à quel point ce gouffre devient insupportable en temps de pandémie. Donc, et tout ça, on voit aussi au niveau de la distribution des vaccins. Parce que je voudrais ici parler de l'importance d'une chose, c'est qu'aucune société n'est une île. Les îles, les sociétés sont interconnectées. Et ça se voit, ça s'est vu lors de la pandémie de Covid-19. On a vu à quel point il était important que personne ne soit laissé sur le carreau, que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Et pour cela, il faut faire en sorte que nos gouvernements coopèrent, en sorte que nos économies soient liées les unes entre les unes aux autres, que les sociétés civiles, que les ONG coopèrent internationalement, une coopération internationale à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant, pour quelques instants, vous poser une autre question, à savoir quels peuvent être les obstacles sur notre route, la route qui nous mène aux ODD des Nations Unies. Eh bien, c'est à vous que je pose la question, puisque vous devez nous quitter assez rapidement. Oui, bien, je pense que la connectivité joue un rôle de premier ordre pour ce qui est de la transformation numérique. Ça a déjà été dit, ça a été dit par mes prédécesseurs. Ces derniers mois, nous avons remarqué que la connectivité n'était pas une question de préférence, de choix, mais tout ça, mais bien plus une affaire de nécessité. La connectivité est quelque chose qui nous... C'est parfois vraiment une porte ouverte, une porte fermée. Je vais à l'école. Je suis les cours ou je ne suis pas les cours. Dans l'exemple qui nous a été donné, c'est ça. C'est aussi une question de sécurité, la sécurité du réseau 5G. Le développement doit se faire de manière... ça doit se baser sur la confiance réciproque et la transparence. Des investissements vont devoir être faits de manière à pouvoir atteindre les objectifs liés à la connectivité mondiale. Et ce doit être fait en se basant sur une véritable coopération publique-privée. Pour que de tels investissements soient faits dans les infrastructures, des investissements à grande échelle, nous devons coopérer effectivement, et ce n'est qu'alors que nous serons en mesure d'assurer un accès égal
à, au réseau, à Internet, une véritable connectivité. Comme il a été dit par le ministre de l'administration publique de la République de Slovénie, nous essayons de, d'apporter notre pierre à l'édifice en utilisant des fonds publics. Nous investissons dans le développement de la bande passante. Nous nous engageons dans des initiatives dites Smart Cities, infrastructures intelligentes également. Et nous espérons que les objectifs pourront être atteints assez rapidement. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je vous souhaite beaucoup de choses et beaucoup de santé. Principalement, nous avons encore 6 minutes. Merci. Dans 6 minutes, nous devrons terminer cette première session à midi pile. C'est pourquoi je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Iyad Mohamed Al-Khatib, ministre de la Communication et de la Technique de la République arabe de Syrie, une deuxième fois. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de défis nous attendent. Des défis pour les gouvernements principalement, notamment pour ce qui est d'atteindre les ODD. Je pense que le défi principal, c'est effectivement les investissements dans les infrastructures. Les infrastructures doivent être fiables et solides, assez fiables et solides, pour pouvoir faire face, pour pouvoir supporter le poids, la circulation qui se profile. Il va donc falloir installer de nombreuses plateformes numériques à l'aide desquelles les gouvernements seront en mesure de proposer divers services à leurs citoyens. Je pense ici notamment aux plateformes d'apprentissage en ligne, mais aussi de santé en ligne, consultation en ligne, commande de médicaments, etc. Et puis il y a tout ce qui est investissement dans des infrastructures. Les autres aspects des investissements dans les infrastructures, à savoir la télécommunication, d'immenses réseaux de télécommunication. Ça, c'est quelque chose, c'est encore un chapitre qui va demander d'importants investissements. Ce sont les deux défis dont nous allons parler le plus, mais il y a un autre défi qui est le contenu numérique. Il va nous falloir accélérer les choses de ce point de vue. Et je pense ici notamment à, là encore, donc aux plateformes comme santé en ligne, économie en ligne, ne serait-ce que les courses, la possibilité de faire ses courses en ligne, alimentaires, vêtements, etc. Et je pense qu'il va falloir ici transmettre des connaissances à nos citoyens concernant la possibilité, les outils qui existent qui peuvent leur permettre de faire leurs courses en ligne. Une chose que je voudrais ajouter, les compétences, de nouvelles compétences, c'est important pour les salariés aussi, pour les travailleurs. Je ne pense pas d'ailleurs qu'au secteur privé, je pense aussi au secteur public, je pense aux fonctionnaires. Tous les employés doivent acquérir des compétences nouvelles qui leur faciliteront la tâche pour ce qui est de faire des transactions en ligne. Je pense donc qu'il est important de créer un nouveau programme. Il faut créer non pas une nouvelle filière, mais de nouvelles matières, ne serait-ce qu'à l'université et dans tout ce qui est post-bac. Avec vraiment des formations pour que les gens soient calés en outils numériques dès qu'ils arrivent sur le marché du travail, qu'ils partent après vers le public ou vers le privé. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Je voudrais donc maintenant poser la question suivante. Nous savons que il y a un pourcentage de la population qui est assez important, qui n'a pas accès à Internet. Donc que pourrait-on faire pour faire avancer les choses, pour accélérer un peu la numérisation du monde. Des interventions courtes, concises, mais parlantes, s'il vous plaît. Que pouvons-nous faire pour que le plus vite possible, de plus en plus de gens aient accès à Internet? Liu Zemin. Eh bien, il faudrait renforcer la coopération internationale. Quand on parle de numérisation, il faut garder une chose à l'esprit, c'est que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui,
il y a encore 800 millions d'individus qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc forcément, quand vous n'avez pas accès à l'électricité, vous ne risquez pas d'avoir accès à Internet. Donc pour eux, pour ces 800 millions de personnes, la question de faciliter l'accès à Internet n'est pas pertinente. Il faut commencer par l'électricité. D'accord ? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est pour ça que je parlais de coopération internationale, de coopération nord-sud aussi. Une chose cruciale, la chose la plus cruciale, c'est ça, c'est la coopération internationale. De manière à d'abord apporter l'électricité à tous, et ensuite on pourra essayer d'apporter Internet à tous. Construisons donc des coalitions internationales. Les Nations Unies, l'ONU, peut jouer un rôle absolument majeur en la matière, mais nous avons aussi besoin du soutien de divers États membres et d'autres parties prenantes d'ailleurs. C'est dans les années à venir, nous devons redoubler d'efforts ensemble pour assurer l'accès aux techniques numériques aux plus pauvres. Et avant de pouvoir parler de... Et là, on pourra peut-être atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Dorine Bogdan-Martin, quel pourrait être le rôle de l'ITU? Eh bien, je vois qu'il y a des barrières, notamment pour ce qui est de l'accès à l'infrastructure. Il va falloir ici, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de pain sur la planche. Il va falloir travailler ensemble pour le progrès de la numérisation. Simonetta Di Pippo, je serai encore plus rapide. Il nous faut accélérer la poursuite des ODD par les Nations Unies. Et nous, notre bureau apportera tout son soutien à ce processus, à ce travail. Eh bien, moi, je dirais que ce qui est le plus important, c'est l'accès. Et l'accès à Internet, ça veut dire que c'est un accès... il faut d'abord qu'Internet soit bon marché, ou pas trop cher, en tout cas. Ensuite, il faut travailler sur les infrastructures. Lorsqu'on dit que les gens doivent avoir accès à Internet, ça veut dire qu'il faut avoir contact avec... Il faut être en contact avec ces gens qui, souvent, n'ont pas encore accès à Internet. Janusz Cieszyński, pour terminer? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai très rapidement... j'ai fait un petit calcul sur un bout de papier et je me rends compte qu'on a encore besoin de 100 milliards, en fait, 100 milliards d'euros. Pour que 3 milliards d'individus en plus aient accès à Internet. Moi, ça me paraît pas infaisable. Ça me paraît tout à fait réalisable, au contraire. 100 milliards d'euros, c'est faisable. Voilà. Puis une fois qu'on a l'addition, on peut payer. Ah, quand j'entends votre ton optimiste, effectivement, ça me paraît tout à fait réalisable. Merci beaucoup à tous les participants. Pardon d'avoir commencé en retard. Nous avons dû parler très vite par la suite pour rattraper le retard accusé, justement. Merci à tous pour votre participation.